Salut tout le monde, c'est l'épaule. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour vous présenter l'avancement du chantier. Je vous invite en tout cas de rester jusqu'au bout pour voir le spectacle jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que vous allez me récompenser avec le like et du partage, bien sûr, hein. Ça fait gravement plaisir. Maintenant, on va aller visiter le chantier qui n'est pas encore tout à fait fini. Oh là là, à chaque fois que je présente une vidéo, il pleut tout le temps. On croit que les gens... Enfin, on croit que je suis malheureux, tout simplement. Quand je présente mes vidéos sur Minecraft, non, non, c'est pas du tout. Au contraire, je suis très, très content. Mais dans le premier temps, j'aimerais vous poser la question à propos de la lumière, parce que je n'arrive pas à trouver une bonne lumière pour un bon éclairage, malheureusement. En tout cas, j'ai un long terme là, j'ai Glowstone qui n'éclaire pas très très bien comme je veux, malheureusement. Là même, je fais un petit test hein, pour voir si ça éclaire plus, mais non, pas pour l'instant. Maintenant, on va regarder à l'intérieur. En tout cas, je vous invite à lâcher dans l'espace des commentaires si vous avez une solution pour moi ou plusieurs d'ailleurs. Bon, là, on va visiter ensemble. Donc ici, j'ai mis un petit circuit. Hein. Pour l'instant, c'est juste un démo. C'est pas encore fini normalement. Tout ça, si c'est fait, ben, ça doit pas être en apparent. Ici, on est en train d'imaginer un petit parc pour enfants. Hop, ça fait un petit tour de manège comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, mes amis? N'est-ce pas génial? Voilà, ça c'est vraiment magnifique. J'adore ce petit circuit. La dernière fois, je vous ai montré cette statuette. La dernière fois, il ne ressemble pas à grand chose. Alors là, pour moi c'est un coq. Hein. Je voulais faire un coq, mais bon, coq avec un petit bec de canard, quand même, c'est un peu bizarre. Allez, on va prendre ça pour un coq ou un phénix. Et après, vous verrez comme vous voulez. Voilà. Maintenant, devant la mairie, nous sommes devant la mairie, mes amis. C'est bleu, blanc, rouge, et puis je rajoutais un petit peu, on a rajouté ensemble, parce que nous sommes deux à faire ce monde, moi et ma femme, plus précisément. C'est vrai que quand c'est moi qui va chercher les matériaux, elle continue à faire ce qu'elle a à faire. Et puis moi aussi, ça m'arrive, tout ce qui est l'extérieur, c'est moi qui l'a fait, et moi j'avoue que tout ce qui est, même les bâtiments, c'est elle qui l'a fait. Voilà, donc ici, nous sommes à l'intérieur de la mairie. C'est marqué « Bienvenue à l'accueil de la mairie ». Dirigez-vous dans la salle d'attente. Donc, la salle d'attente, on va regarder, hein, on va regarder ensemble. Salle d'attente, bah, c'est ici. En tout cas, c'est bien imaginé. Tout le déco, tout ça, je précise bien, c'est décoré par ma femme. Et puis, c'est elle qui a fait toute la construction. Et c'est moi qui ramenais des matériaux. Voilà. Donc là, nous sommes dans la salle d'attente. Qu'est-ce que vous en pensez de cette salle d'attente? Précisément, nous sommes en 100% survie. Il n'y a rien qui a été... on a fait de A à Z avec la souffrance et la sueur, comme on dit, pour construire cette mairie. Et puis nous, on est fans de survie, donc on ne changerait jamais... Rien, enfin, on changera pour rien au monde. Veuillez patienter dans la salle d'attente. Ok, bon, ça c'est pour la mairie, je pense, mais aujourd'hui, on va faire une visite guidée. Allez, c'est parti pour ici. Ici, on a quoi ici? On a administratif scolaire, inscription, paiement, cantine. Ok, ok, donc ici, nous sommes dans l'administratif de la cantine. Je pense qu'elle a pensé à tout, hein. Vraiment, c'est magnifique, moi, je trouve. C'est vraiment bien pensé. En tout cas, par contre, je rajoute de la lumière parce qu'il manque un peu de lumière. J'ai pas envie de gâcher tout ça par des explosions des creepers. Voilà, il manque encore quelques trucs. Hein. Il manque encore des tableaux et quelques décorations à cet endroit. Ici, ça doit être un espace hein, pour salle d'attente. Hein. J'imagine.
Donc, en tout cas, c'est vraiment très, très propre. Pour l'instant, on va visiter tout ce qui est rez-de-chaussée, hein, pour bien voir. Ah, j'ai même pas lu ce qui est devant la porte. Peut-être il a écrit quelque chose, non? Ah, non, il n'y a rien qui est écrit ici, malheureusement. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est quoi cette salle. Attendez, je vais bien regarder au cas où s'il y a quelque chose qui est marqué quelque part. Non, 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 non. Il n'y a rien qui est marqué. Malheureusement, je rentre sur les deux portes, évidemment. Il manque encore. Ici, je pense que ça doit être une salle de réunion. Parce qu'à mon avis, ça doit être des ordinateurs portables ici. Hein. Et il manque un petit peu de tableau par-ci, par-là. Mais c'est déjà pas si mal pour moi. En tout cas, j'attends de votre commentaire pour penser, enfin, pour dire ce que vous en pensez de la décoration et de qu'est-ce qui manque exactement à cet endroit-là et à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai tout visité au rez-de-chaussée? Je pense qu'il manque encore quelque chose au rez-de-chaussée. On va aller tout au fond. Franchement, j'adore. Hein, j'adore déjà l'entrée. Ça éblouit les yeux. Voilà. Hop, ici, j'imagine que ça doit être quoi ici? J'ai pas regardé. Ah, c'est les toilettes. Ici, ce sont les toilettes qui. Ah, ouais, avec les petites barrières là. Franchement, c'est bien imaginé. Ah, ça fait un petit truc comme si c'est du placo transformé. Franchement, j'adore. En plus, il y a un petit endroit pour attendre où les gens qui prennent trop de temps pour aller aux toilettes. Vraiment, vraiment bien pensé. Même le lavabo, c'est vraiment bien, très, très bien pensé. J'adore. Maintenant, on va aller voir à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir à l'étage? Qu'est-ce qu'il va avoir à l'étage? Donc, l'escalier, il est par là. Donc, ici, c'est encore une grande salle qui n'est pas encore finie. Et là, ici, on a le bureau du maire adjoint. Alors, il faut ouvrir. Vraiment, c'est bien fait, le bureau du maire adjoint, un petit endroit hein, pour le bureau. Je pense que c'est pour le stagiaire par là. Hein. Et ici, c'est le bureau du maire adjoint. Voilà, c'est vite fait. Il est très, très espaceux. Franchement, pour la mairie comme ça, c'est vraiment très, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Veuillez patienter. Le maire va vous appeler. Ok, salle d'attente. Encore une salle d'attente ici. Franchement, monsieur le maire, c'est à désirer. Hein. Plein de salles d'attente. Voilà. Et ici, bureau de monsieur le maire, bien sûr. C'est plus vaste que tout. Hein. Il y a plus d'espace. Il y a vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme ici. Il ne risquerait pas de s'ennuyer parce que il y a d'espace. Hein. Franchement. Il y a des belles vues en plus. Ouais, voilà. Là, on a visité. Là-bas, on a visité. Maintenant, on va aller voir le balcon. Franchement, le balcon est vraiment agréable à regarder. Hein. En tout cas, à visiter. Vraiment, voilà, on a vraiment une très, très belle vue d'ensemble. Il y a le parc à droite, statuette, encore il manque pas mal de choses, mais franchement, en mode survie, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il y a, c'est vrai qu'il y a d'autres qui construit peut-être mieux que nous, mais là, on fait par notre propre moyen, on n'essaye pas de tricher, on fait tout de A à Z, on cherche tous les matériaux de A à Z. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la surprise, mes amis. J'espère en tout cas que vous êtes restés jusque-là, parce que maintenant, ben, on va voir la petite surprise. J'espère que ça va vous plaire. Donc, il faut aller dehors. Je n'ai pas activé exprès, mais je pense que vous avez déjà votre petite idée. J'espère en tout cas. Mais malheureusement, il pleut. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus beau que ça. Mais bon, allez, ouvrez vos yeux bien grand ouvert. Allez, c'est parti. Regardez. Hop, regardez-moi quelle couleur qui apparaît, les amis. Quelle couleur? Dites-le-moi dans le commentaire.
Allez, tous ensemble, quelle est les couleurs qui apparaissent dans le feu d'artifice? En tout cas, ça m'a pris pas mal de temps pour le faire, mais bon, après, tout est logique à partir du moment où on comprend comment ça se passe. Normalement, ça fait tout seul. Voilà. En tout cas, je vous invite de cliquer sur like, mes amis, hein, de faire partager. Et puis, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!